Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui direction Paris, je pars toute seule. J'ai un peu peur, je vais pas vous le cacher parce que je suis jamais partie seule. Mais écoutez, il y a une première à tout. Et voilà, je vous ferai un petit peu je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure ce qu'on va faire. Bon, désolé pour le bruit. La valise, lol. D'ailleurs, petit outfit check. J'ai habillé assez simplement. J'ai pris un gros sac parce que je préférais pour pouvoir prendre un truc à boire et un truc à manger sur moi. Parce que bon, je me dis, je vais quand même marcher toute la journée, donc voilà. Let's go. People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window. Bon, là j'ai bien pris mon temps, j'ai fait une petite pause, petit déj. Du coup, là, ce que je vais faire, première étape, c'est aller à l'hôtel, déposer ma valise. Parce que là je suis un peu encombrée, du coup voilà, je sais c'est d'aller là où je dois aller et je vous récupère quand j'ai posé ma valise. C'est à nouveau moi, je suis sur le Champ de Mars, j'aurais dû prendre un trépied pour vous filmer, c'est honteux mon installation là. Mais en plus je suis à contre-soleil. Bref, c'est pas grave, tant que je peux vous parler au moins c'est principal. Du coup là j'ai déposé ma valise à l'hôtel, donc je pourrais que faire le check-in tout à l'heure. Mais voilà, j'ai un petit peu vous expliquer qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis à Paris toute seule. Déjà c'est pour voir Sabrina Carpenter en concert ce soir, j'ai trop hâte. Et comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo avec tout ce qui se passe en ce moment, les émeutes etc. Je savais pas trop si le concert allait être maintenu, mais apparemment il l'est. Donc écoutez, tant mieux. Bon, je crois vraiment on me voit pas du tout. J'espère que vous voyez et que vous m'entendez au moins. Et c'est la première fois que je pars toute seule. Du coup vraiment là depuis avant, enfin là j'ai grave pris mon temps. J'avais prévu à la base d'être arrivée ici pour genre 10h, là il est genre 11h15 je crois, un truc comme ça. Mais en fait je voulais vraiment prendre mon temps pour me détendre parce que j'étais un peu stressée. J'étais un peu en mode oh my god, je suis toute seule, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais et tout. Et franchement je suis grave fière de moi d'être déjà arrivée jusqu'ici, genre être là devant le Champ de Mars. Je pense que vous savez un petit peu à force aussi, mais plus tard mon rêve ce serait vraiment de vivre à Paris. Et je m'étais dit déjà depuis super longtemps qu'il faut vraiment qu'un jour je parte seule à Paris pour me débrouiller seule et pour voir si j'arrive en fait à... Enfin si je m'y sens vraiment bien et si je serais vraiment prête à vivre ici, parce que entre visiter et vivre c'est clair qu'il y a une grosse différence, du coup voilà. Donc c'est un petit peu un test, là honnêtement c'est un petit peu deux jours où je vais un peu me dépasser. Mais bah du coup je vous ai même pas dit, je suis vraiment nulle, je vous ai rien expliqué. Mais du coup je suis là donc aujourd'hui, donc on est lundi et encore demain, mon train demain est à 19h donc ça va, ça me laisse un temps un peu large. Du bah là je vais un petit peu profiter, je vais un petit peu, je pense rester posée sur le Champ de Mars tranquillement. Aujourd'hui j'ai pas prévu énormément de choses je vous avoue, mais il y a la Fashion Week Haute Couture qui commence. J'ai toujours rêvé d'aller devant en défilé. Et il y a le défilé de Dior cet après-midi à 14h30 du coup, je vais essayer d'y aller, je suis pas sûre du lieu parce qu'en général le lieu il sort que quelques heures avant. Mais il me semble que tous les défilés haute couture sont dans les jardins du musée Rodin, je suis jamais allée là-bas mais du coup j'espère juste que je vais trouver quoi. Donc écoutez, en attendant du coup le défilé en fait là je sais pas, je vais rester posée là. Je pense après je vais essayer de me trouver quelque chose à manger aussi pour le midi. Et je pense que je vais faire un petit pique-nique tranquillement et puis voilà, après j'irai au défilé, enfin devant le défilé. Et puis je pense que je repartirai à l'hôtel vers 17h, quelque chose comme ça j'ai vraiment le temps de me préparer parce que le concert commence à 20h. Je viens de réécouter la vidéo que je vous ai filmée avant, mais en fait on entend tellement le bruit des gens autour, ça me fume de rire vraiment, on entend des gens qui crient par moment. Bref, en même temps je suis sur le Champ de Mars, je peux pas prendre un micro, j'aurais hurlé, donc voilà, j'espère que vous m'entendrez bien quand même. Je crois que j'aurais clairement pas dû venir en fait à la Tour Eiffel pour manger parce que bah il y a plus de trucs de touristes qu'autre chose, enfin il y a pas grand chose quoi. Du coup bah écoutez, là je suis allée jusqu'à Place Trocadéro, je pensais qu'il y aurait plus de choix mais il y a rien qui me tente vraiment. Du coup là j'ai vu que je pouvais avoir une barquette de frites donc je pense juste prendre ça. Parce que de toute façon là j'ai regardé, je suis à 38 minutes à pied du lieu du défilé donc en vrai je vais prendre une barquette de frites, je vais la manger je pense sur Saint Mars et je vais repartir, enfin je vais commencer à marcher quoi. Parce qu'en même temps je me dis en marchant je vais un petit peu les immeubles et tout ça et ce qu'il y a autour, du coup ouais voilà, je pense que je vais faire ça. J'ai récupéré une barquette de frites, franchement c'est grave un mood de manger mes petites. Oh, je me suis salie, mon talon. La honte, je vais débarquer au défilé de genre, vraiment je les tâche partout. Bref, c'est vraiment un mood de manger mes frites comme ça sur le Champ de Mars, genre vraiment l'énergie de main character ou quoi. Ça fait 30 minutes que je marche, je suis un peu fatiguée, je vais pas vous cacher.
Mais en vrai, je trouve que j'ai bien fait parce qu'au moins, bah, je vois un petit peu genre le paysage et tout. J'ai vu des trucs vraiment sympas. Mais par contre, je vais arriver, je vais être au bout de ma vie. Mais voilà, là apparemment, j'y suis dans quelques minutes. Les gars, comme vous avez vu, j'ai vu Léna, oh my god, mais de loin. Et du coup, là en fait, j'attends. Je me suis mis à un endroit où techniquement elle devrait repasser. Mais je vous avoue que je pars en place sport parce que ça fait déjà genre 20 minutes que le défilé est fini, je crois. Je vois la terre entière qui passe, sauf elle. Et je crois que les stars, elles ont une autre sortie, j'ai l'impression, même une autre entrée. Parce que parmi, il y avait l'actrice de Ginny and Georgia, mais je l'ai pas vue. À moins que j'ai vraiment pas vu parce que bah en fait, il fallait pas grand chose, c'était quand même là où j'étais. Écoutez, je sais pas. Par contre, c'est trop iconique. Genre là, il y a un photographe qui s'appelle Jean, il me prend en photo. Je m'y attendais pas du tout, j'étais en mode. Tout moi, enfin, je suis habillée basique et tout. Genre, j'ai rien d'extra, j'étais en mode what. Et c'est là, le mec, il commence à me parler, il commence à me dire si tu veux que je te fasse des shootings et tout, machin. Enfin, il s'est abonné à moi sur mon Insta et tout. Et il m'a dit, ouais, je prends en photo les belles tenues, les beaux visages et tout. Ça veut dire que j'ai un beau visage. Bref, ça fait trop bizarre. Il est 16h20, je pars à contre-coeur. J'ai pas vu Léna sortir, du coup, je sais pas du tout si elle est censée parler ou quoi. Bon, voilà, tant pis, écoutez, j'aurais vu au moins de loin. J'aurais un peu vu la vibe du défilé, même si on voyait pas beaucoup de choses. Et les gens autour de moi, donc je crois que je vous l'ai déjà avant, mais les gens autour de moi, du coup, qui apparemment, en les écoutant, bah, ils avaient l'air de faire vraiment tous les défilés, d'être habitués et tout. Là, ils disaient, ouais, on voit personne et tout. Donc, à mon avis, il devait y avoir une autre entrée en fait. Et personne ne savait. Là, même là, j'essaie de voir parce que là, je passe à côté du jardin, mais on voit pas le lieu du défilé. Mais c'est pas possible, j'ai vraiment passé la journée à être à contre-jour. Enfin, je crois que enfin là, je sais pas en fait, parce que le soleil il vient, il part. Là, je suis allée m'acheter une glace. J'avais la flemme, franchement, je voulais graver dans un glacier et tout, mais j'avais trop la flemme d'en trouver un là, vraiment. Genre, il fallait que je m'assoie. Du coup, bah en même temps, je suis allée acheter un sandwich pour ce soir. Comme ça, je peux le manger à l'hôtel et voilà, genre c'est chill. Parce qu'au début, j'avais pensé manger au Zénith, mais je me suis dit, en vrai, oh, il est tout écrasé. Je me suis dit, en vrai, si tout le monde fait comme moi, bah il y aura grave de la queue, donc flemme. En fait, je suis un peu en retard sur ce que j'avais prévu parce que on a encore 40 minutes de métro pour arriver à mon hôtel. Du coup, je dois faire le check-in, etc. Donc, écoutez, on verra tout à l'heure. Par contre, vraiment, je peux vous le dire déjà là, hein, je trouve vraiment, c'est tellement une vibe ici. Déjà là, je suis toute seule, j'ai mon téléphone, je pose mon téléphone, je parle à mon téléphone. Je me verrais grave pas faire ça ailleurs. Genre vraiment, je me verrais pas genre à Metz, par exemple, me mettre dans un parc et parler comme ça. Et si vraiment, tout le monde s'en fout. Personne ne me remarque, donc bon, tant mieux. Je viens d'arriver dans la chambre, du coup je vous fais un petit room tour. Déjà là il y a un grand miroir. Voilà, donc là on arrive je pense sur la salle de bain, je vais découvrir en même temps que vous. Salle de bain, elle est très mignonne, très sympa les petites plantes. Je sais pas, la décoration elle est grave jolie, j'ai pas envie de saler le sol, mais voilà. La douche. En plus, oh, c'est trop stylé, on a des produits Nuxe. Mais oh my god, c'est giga stylé. Là, il y a des petites moulures. Là, il y a un petit dressing. Et là, du coup, il y a la chambre. C'est quoi ça? J'espère que ça donne. Enfin, on peut pas rentrer, genre que personne peut rentrer chez moi. Merci, ça m'arrangerait. Mais voilà. Super stylé. Là, il y a une petite télé. Bon, voilà quoi. Assez sympa, ma foi, la petite déco. Là, il y a des petits. Petits thé, café, etc. Et là, vous savez quoi, on va regarder même la vue. Et mais attendez, vous savez que je me demande si c'est pas le Zénith. Enfin, je crois pas en fait, mais. Non, c'est pas du tout le Zénith, mais je crois que j'avais vu ça. C'était vraiment pas long. Oui, non, ça n'a rien à voir avec le Zénith. Mais je croyais quelque part, genre là-bas. Ou je sais pas trop. Mais bon, voilà. En tout cas, ok. Donc, juste sur le sujet des sciences et de l'industrie. Et voilà, du coup, la petite chambre. Finalement, j'ai quand même bien fait de ramener mon trépied. Même si je l'ai pas ramené dans la journée, je peux quand même vous faire un petit update. Dans l'hôtel, par contre, c'est grave instagrammable. J'aime beaucoup. Mais il est 18h30.
Attends, c'est déjà 10h30. Oh my god. Et j'aimerais bien. Enfin, là, en fait, je vais faire un peu le TikTok de ma tenue et tout pour le concert de Sabrina. Là, faut encore que je mange un petit mon sandwich et tout. Donc, en 30 minutes, ça va être vraiment chaud. Donc, du coup, je vous fais un petit update. Et en même temps, je vais un peu sortir mes affaires. Déjà, l'hôtel, franchement, est super beau. Très contente. Bon, après, je l'ai payé assez cher. Pas vous cacher, je n'ai jamais payé aussi cher un hôtel pour aller à Paris. Je voulais pas mettre autant. Mais le truc, c'est qu'en fait, je voulais vraiment être à côté de la salle. Enfin, à côté. Là, j'ai 12 minutes à pied, donc ça va. Mais je voulais vraiment être proche parce que je me voyais vraiment pas prendre le métro seule la nuit. Genre que je fais vraiment pas ça safe du tout. Comme vous pouvez voir, j'ai toujours mon petit Winnie qui m'accompagne partout dans mes voyages. Il prend toute ma valise pour rien, mais c'est pas pour rien. Moi, je dors bien parce que là, toute seule, faut me croire que j'ai besoin d'un soutien émotionnel. Mon soutien émotionnel, c'est mon doudou. Du coup, petit update de la Fashion Week. Franchement, c'est incroyable. Enfin, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est grave une expérience. Même juste si on est dehors et honnêtement là j'ai rien vu et que d'après donc les filles que j'ai écouté parler autour de moi qui font tous les défilés etc qui ont l'habitude là on voyait vraiment rien et c'était pas non plus enfin c'était pas extra mais moi c'était quand même ma première expérience bah, c'est quand même super stylé parce qu'on voit des gens qui sont trop bien habillés on voit enfin je sais pas si vous comprenez mais je trouve que c'est vraiment une vibe de voir vraiment plein de gens comme ça qui sont passionnés de mode et qui se réunissent tous et qui veulent voir leurs célébrités préférées qui vont à la Fashion Week. Je trouve ça vraiment trop stylé. Et ouais, donc franchement, j'étais assez bien placée, mais je suis quand même restée au moins 1h30, je pense, plein soleil à attendre. Je n'en pouvais plus vraiment, j'étais. Faut que j'allais tomber dans les pommes, vraiment. Voilà. Du coup, en plus, genre, à un moment, vraiment, t'as des gens à côté de moi qui disent oh my god, Yelena qui vient de passer sur un vélo et tout. Moi, je me dis, mais déjà, mais. Quelle reine, quelle star, vraiment tout le monde vient des grosses voitures, elle vient avec son vélo, mais osez me dire que c'est pas une star, incroyable. Mais je l'avais pas vu passer, mais alors moi j'attendais vraiment de voir Léna. Tout le monde dit elle est passée, je fais mais c'est une blague là, vous allez me dire elle est passée, je l'ai pas vue. Je suis trop bête, c'est pas possible. Et en fait du coup bah, elle allait garer son vélo. C'est vrai que Léna j'aimerais vraiment un jour pouvoir la rencontrer et bah, j'ai toujours voulu même genre la voir dans la vraie vie et tout et ça fait trop bien pour la voir comme ça même si c'est de loin et très vite fait. Et c'est waouh, alors c'est incroyable quoi. Je suis quand même assez devant le défilé, au moins 3h30 ou 4h, je crois. Mais au bout d'un moment, donc je dis qu'en fait, quand le défilé a commencé, je suis allée me mettre à l'ombre parce que je me suis dit, là, si je reste au soleil, c'est bon. Je pouvais être sûre que je vais faire un malaise, que je vais tomber par terre quoi. Mais voilà. Et puis, donc franchement, c'était grave cool comme expérience. Il faudrait que je fasse plus de défilés. Mais par contre, je trouve quand même que les filles qui font vraiment, parce que justement, les filles qui étaient à cause de moi, on s'est dit qu'après, quand elles allaient faire le défilé d'après, qu'elles allaient vraiment tous les faire et tout, faut quand même être vachement, vachement courageux et vachement avoir de l'énergie pour tout faire parce que mine de rien, rester debout aussi longtemps à attendre, c'est fatigant de fou. Hein. Genre, déjà là, j'ai marché 10 km. Je suis fatiguée. À chaque fois que je viens sur Paris, je marche beaucoup. Mais vraiment, en fait, le truc, c'est que je me serais pas vu, moi, encore faire un autre défilé après. En plus, mon téléphone au soleil, il n'y a pas que moi qui a surchauffé, mon téléphone aussi. Il voulait plus charger avec ma batterie externe. Je me suis dit, putain, il manquerait plus que mon téléphone ne charge plus. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je rentre à l'hôtel, quoi? Du coup, je vous avoue que j'ai un peu paniqué. C'est aussi pour ça que je me suis dit, je vais aller à l'ombre, okay, histoire de que ça se refroidisse un peu. Puis, de toute façon. Le rêve ultime un jour de pouvoir être à l'intérieur du défilé et de voir vraiment ce qui se passe. Enfin voilà. Maintenant direction le concert de Sabrina. Donc je vais me changer. Et puis je vais y aller quoi. Tada, le petit outfit of the night. J'ai mis le petit rouge et lèvres rouges pour rappeler le petit cœur. J'ai trop hâte. Du coup bon là je vais y aller. Je suis en train de me dépêcher à mort parce que j'ai super peur qu'il y ait grave la queue et que je me fasse un peu. Enfin que j'arrive pas à temps. Mais bon, après, je pense qu'ils vont débrouiller pour que ça aille vite. Et alors, depuis ma chambre, j'ai vu qu'il y avait une flash zénith là. Donc, écoutez, je vais la suivre, j'aime pas mes plans. Donc, j'arrive pas à marcher avec ma jupe hyper serrée. Genre, regardez comment c'est hyper serré. Shut up, shut up, shut up. I was there.
Things like, darling, I hope you know it's you.
said that you got in an accident. And God, I'm watching everything. This feels like a dream. I definitely just want to tell you how important this show has meant to me and been to me for kind of my whole life. I guess the last time I played in Paris was 6 years ago, and it was like a room the size of my closet, and it was so special to me. And I remember just feeling like so mesmerized by all of you and the fact that I could be so far from home and you knew the lyrics to my songs. And Paris, for whatever reason, even before I ever came here, the first time I came here was on my 18th birthday, and it was as magical as, you know, it is in all the movies about Paris and all the books about Paris. It was a city that I felt like I could already feel at home in. And just being here with you guys tonight, I want to let you know how special you are and how special your energy is and how much you've inspired me throughout my whole life. We were never in the park, talking on a seesaw, teetering with our feelings in the dark, ignoring tornado warning. He didn't hold me in his arms, we didn't stumble over the pages of our relationship arc, ignoring tornado warnings. Don't understand how quickly we get right back in the rhythm with the missing step. And logically, the last thing I should have on my mind, but I want you there sometime. Like a really broken heart, freshly out of a relationship. What's the French drama? Like, what's the French tea? Hi, how are you? Do you want to talk? Because people were pointing at you, but it didn't seem like you were willing. You're on the fence. Do you want to just like be super vague? Okay, we can try that. I'm gonna like pull all the details out of you eventually, but it's fine. Can you tell everyone your name? Wait, I need my thing. Athena. Thank you.
tu veux les mots, me parler quelque chose, qu'ils ont envie d'aimer, d'aimer ta chambre et moi. Mon cœur est à toi pour toujours. It's so romantic in Paris. Won't even try to control it. I thought I was sure that I'd find it, but I already have loving at it. Unexpected, this thing that we fell into, like so connected. You came at a time when my heart was selected. Didn't have to choose, my love was accepted. I got you feeling right, I got you feeling right, I got you feeling right. Until I'm 99, and I hope I can see every single one of you. And I want to thank you for spending your night with us. I love you so much. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. I hope you like this song. Verso di diluire, it was all the same as that. Scream it. I'm a heart, I'm a star. I'm a dead friend, spinning outside my trunks. Tell me who I am, 'cause I don't.
first love, but I'll always be your favorite. Now I'm a c'est fini. Franchement, je suis trop triste. Je suis partie regarder la scène. Je suis en mode oh my god. Tu sais, quand même, j'ai failli chialer tellement j'étais émue, tellement c'était genre incroyable. Enfin, je fais un update posé en rentrant quand on m'entend. En plus, je crois que ma voix, c'est plus trop ça. Le concert, mais comment vous dire, je n'ai pas les mots. Franchement, je n'ai vraiment pas les mots. Donc, déjà, la première partie c'était Annika Bennett. Je ne connaissais pas du tout cette chanteuse, mais elle chante très 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 bien. Et. Bah en fait, en gros, donc elle a, un peu comme Sabrina, elle a pas mal de chansons avec des significations un petit peu de trucs de la vie qu'on vit tous, on va dire. Et en gros, donc avant chaque chanson, elle, quand elle les introduisait, elle expliquait en gros de quoi ça parlait et tout. Genre, quelle situation ça parlait dans la vie et tout. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais bref. Et c'était grave émouvant. Vraiment, j'étais grave émue. Et elle chante super bien, donc franchement, je pense que je vais grave écouter ses chansons. En plus, ça voit qu'elle est adorable, enfin voilà. Et Sabrina, mais j'ai, vraiment, je vous jure, quand je vous dis que j'avais des larmes aux yeux, de joie tout le long. Genre vraiment, ce que je disais encore avant au téléphone à mes parents, c'est que vraiment quand tu vois, oula, quand t'as bien une artiste et qu'en plus sa personnalité, alors tu l'apprécies, enfin, c'est différent parce que genre, par exemple, t'as des artistes, vous voyez, j'adore ce qu'ils font, j'adore leur musique, etc. Mais leur personnalité, bon, je la connais pas forcément en fait, c'est juste que voilà. Mais je suis pas du coup forcément attachée à leur personnalité. Mais là, une personne, en plus, on adore sa personnalité, on adore comment elle agit et tout, comment elle est. Enfin, c'est ouf de la voir dans la vraie vie, franchement, c'est, je te jure. Hein. Sabrina, vraiment, cette fille, c'est un amour, un truc de dingue, vraiment, waouh. Franchement, j'aurais trop aimé, genre, à la fin qu'on la voit, genre, comme si tu parlais, genre, ça se voit vraiment, c'est trop un amour. Et vraiment, je vous jure, j'étais trop émue. Voilà, la fragile, le retour. L'ascendant cancer, le retour. Mais non, vraiment, je vous jure, incroyable. C'était vraiment ouf. Et surtout que, en fait, ça va, je vais à nouveau chialer, ça y est. Ouais, il y a eu trop d'émotions aujourd'hui là. Ça, c'est trop de choses incroyables pour moi là. Quand j'avais genre 12 ans, je me souviens très bien, bah Sabrina, donc elle faisait déjà des séries sur Disney Channel. Et donc c'est comme ça que je l'ai connue. J'en avais 12 ans. Et j'avais vu sur YouTube et j'étais en mode waouh. Mais qui est cette femme incroyable, qui est trop belle, qui chante incroyablement bien, genre qui, enfin je sais pas, genre elle dégage vraiment cette énergie angélique, enfin waouh, je peux vraiment pas vous expliquer, mais vous allez pu voir la vidéo vous-même, je pense que la vidéo parle d'elle-même. Et donc me dire que j'avais vu cette première vidéo d'elle qui chantait à 12 ans, et que bah en fait au fil des années j'ai pas forcément écouté ses albums, etc. En fait non, j'ai commencé vraiment à écouter ses musiques, à les écouter vraiment beaucoup, quand elle a sorti Skin en... je sais pas quelle année, j'étais au lycée, bref.
Ça date bien d'il y a 2-3 ans. Du coup, j'ai commencé là. Et là, franchement, c'est mon dernier album. Incroyable, clairement. Waouh! Vraiment, quand je dis que je connais par cœur, j'adore. Vraiment, j'adore. Et enfin voilà, franchement, je peux vous en parler pendant une heure là. Je pourrais vous faire une vidéo entière sur Sabrina. Et en plus, genre, c'était grave émouvant parce que, bah, comme elle a dit, elle n'est pas venue en France depuis 6 ans. Et la dernière fois qu'elle est venue, bah, il n'y avait pas beaucoup de gens. Et genre là, c'était quand même une salle qui n'était pas pleine, malheureusement. Mais je pense que ça cause pas mal du coup des gens qui ont eu peur, comme je venais d'utiliser le texte, etc. Donc, du coup, c'est dommage, mais. Franchement, on a bien mis l'ambiance quand même, on était tout le temps debout en plusieurs tout le long. En plus, vraiment, mais je vous jure, cette journée, mais depuis 2 ans, genre là en plus, à côté de moi, il y avait une fille qui était toute seule. D'ailleurs, j'ai trop le seum parce que j'avais pas son Insta. Genre en fait, à la fin, elle est partie assez vite pour prendre un Uber. Et du coup, j'ai même pas son Insta. On s'est pas donné, mais c'était super cool, on a grave parlé. Un peu au début de la première partie, et surtout après, il y avait une entraque de genre 25 minutes. On a grave discuté, franchement il était super super sympa, c'était grave cool. Franchement je suis grave contente et vraiment c'est là que je me dis encore une fois que quand je suis... Enfin par exemple, bon, après je dis ça mais à Metz par exemple, quand je suis à Metz, je ne sors pas forcément toute seule parce que j'ai rien à faire toute seule, genre enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, sur toute seule c'est pour aller faire les magasins, mais dans les magasins tu parles pas aux gens, enfin voilà. Et aujourd'hui franchement j'ai parlé à des gens alors qu'en général je suis assez timide. Voli velou, je parle trop dans ce vlog, je parle trop vraiment, je suis tout seule, du coup je vous parle non-stop. Je n'ai quasiment plus de stockage, comment vais-je fumer demain, je ne sais pas. Et je vais devoir couper ce que je dis parce que sinon ma vidéo va durer une heure. Déjà la vidéo de Sabrina, j'ai envie de tout vous mettre, mais bon si je vous mets tout ça va durer un peu longtemps. Enfin bon bref, écoutez, on se retrouve demain. Moi je vais aller prendre ma douche tranquillement. Regarde un peu mes vidéos, j'ai ça venait à mettre des petites stories. Et on se retrouve demain, je sais pas ce que je fais. Je vous avoue que là, vraiment, je ne sais pas. Donc on verra, franchement, la vie porte conseil. Mais j'ai encore envie de bien profiter demain parce que je suis encore jusqu'à 19h, enfin un peu avant parce que mon train est à cette heure-là, je crois. Faut que je revoie d'ailleurs l'heure. Bref, bisous, à demain. Alors, je vais vous prendre un temps en plus.